Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Je m'appelle Marie-Astrid, j'enseigne le français et je suis aussi formatrice de futurs professeurs. Cette vidéo s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent étendre leurs connaissances dans le domaine littéraire et artistique parce qu'ils veulent améliorer leur culture générale, se faire plaisir ou, de manière plus utile, réussir le concours de prof des écoles. J'ai intitulé cette carte « Ma bibliothèque idéale » mais bien sûr, cette bibliothèque idéale n'existe pas. Elle est bien plus vaste que la sélection que je vais vous présenter, riche de bien d'autres bouquins qui me sont parfois tombés des mains ou d'œuvres qui m'ont construite en tant que lectrice et que je n'ai pas choisi d'évoquer ici. La sélection que j'ai préparée pour vous est donc subjective, elle ne vise pas à l'exhaustivité mais plutôt au plaisir et à l'efficacité. Voilà pourquoi je conseille aux plus pressés de lire certaines œuvres en version abrégée. La très grande majorité des œuvres que je vais vous présenter fait partie de ce que l'on appelle des œuvres patrimoniales. Ce sont des œuvres qui ont été lues et digérées par des générations et des générations d'auteurs et d'autrices qui y font, consciemment ou non, allusion dans leur création. En tant que prof des écoles, il est donc utile de les avoir lues pour savoir reconnaître les échos, mais à l'école primaire on parle de réseaux, qui existent entre elles. Commençons par ce que l'on appelle les textes fondateurs. Incontournable, l'Odyssée doit faire partie de vos classiques. Vous devez vraiment connaître les aventures d'Ulysse, mais vous pouvez les lire dans une version abrégée que j'indiquerai en description. Et si votre lecture est lointaine, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire en regardant ma série vidéo sur l'Odyssée, que j'indiquerai aussi en lien. Autre référence universelle, les Métamorphoses d'Ovide, dont on trouve de très bonnes éditions scolaires accessibles dès 10 ans. Pour vous remettre à flot côté mythologie, je conseille aux futurs profs des écoles de lire les différents feuilletons d'Hermès, de Thésée ou d'Artémis, de Muriel Zack, qui peuvent être lus avec élèves et enfants dès l'âge de 6 ans, et je recommande aussi les magnifiques albums d'Ivan Pomo, qui illustrent l'histoire d'Œdipe ou d'Orphée et d'Eurydice avec maestria. Si vous êtes curieux ou curieuse, découvrez aussi la plus vieille histoire du monde, l'épopée de Gilgamesh, où les tout premiers héros humains se confrontent aux dieux mésopotamiens. En tant que prof de l'école publique et laïque, je trouve utile de conseiller la lecture des grands textes bibliques, car ils ont aussi nourri la littérature classique. Comment lire un conflit fraternel sans songer à Caïn et Abel, un duel démesuré sans penser à David et Goliath ? Croyez-moi, les textes bibliques sont de bons outils pour étudier les textes littéraires et je vous conseillerais en commentaire l'édition que je préfère. D'un point de vue plus artistique, vous pouvez aussi vous intéresser aux tableaux de Chagall qui reprennent les plus grands épisodes bibliques. Si vous voulez être prof des écoles et quel que soit le cycle où vous enseignerez, il faut aussi vous plonger dans les contes classiques et plus particulièrement le chef-d'œuvre de Charles Perrault, les contes de ma mère Loie où se trouvent le petit chaperon rouge, barbe bleue ou la belle au bois dormant. La langue en est si belle que j'ai même consacré une vidéo à la ponctuation appliquée au chaboté. Attention, lisez ces textes en version intégrale et non simplifiée, c'est important pour mesurer la fiabilité d'une adaptation pour les enfants. Je conseille également de lire le court conte de La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont. Vous pouvez aussi en regarder l'adaptation tournée par Cocteau. Il sera intéressant de lire aussi plusieurs contes rassemblés par les frères Grimm et d'observer, par exemple, les variantes à l'œuvre dans Cendrillon. Observer les écarts qui existent entre les films de Disney et le conte original est toujours instructif. Écrit à une époque plus récente, je vous conseille aussi de lire les contes du chat perché de Marcel Aimé. L'écriture en est belle et j'adore le chapitre intitulé « Le loup ». Les contes de Montmoulin sont également intéressants. La chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet est un petit bijou qui peut se trouver en version illustrée, mais attention là encore aux adaptations. Je recommande encore le Pinocchio de Collodi et le chef-d'œuvre de Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles, qui est présente en filigrane dans plusieurs des albums de Claude Ponty. Mais venons-en à de grands personnages mythiques qu'il faut connaître. Tristan et Iseult d'abord, les amants tragiques que vous pouvez lire dans la version du Normand Béroul. Dans ce qu'on nomme la matière de Bretagne, je choisis Perceval le Nice ou le Naïf, qui fait son apprentissage jusqu'à devenir un grand chevalier lui aussi. J'aime aussi beaucoup la figure de Scheherazade dans Les Mille et Une Nuits, qui à l'aide de sa sœur met fin à une série de féminicides en racontant des histoires. Belle figure d'héroïne et d'autrice à connaître, n'est-ce pas ?
ajoutons un dernier personnage mythique, celui de Robinson Crusoe, qui a inspiré tant d'auteurs et jusqu'au magnifique mais terrible Sa Majesté des Mouches, dont l'adaptation au cinéma par Peter Brook est saisissante. La transition est facile avec la catégorie des grands romanciers. Je commence par les grands romans d'aventure que sont les livres de Dumas, Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires sont fabuleux à lire en version intégrale et même en version abrégée. Le Tour du Monde en 80 jours fait aussi partie de ma bibliothèque idéale. J'aime beaucoup l'écriture de Jules Verne qui manie l'humour et le suspense de main de maître. Parmi les grands romans plus réalistes, lisez absolument un roman de Zola. J'aime bien Au bonheur des dames, bien sûr, plus optimiste que L'Assommoir ou Nana, qui sont de vrais chefs-d'œuvre, dont vous pouvez aussi voir les adaptations anciennes au cinéma. Je vous conseille aussi de lire Hugo, Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, en version abrégée si vous manquez de temps. Attention, la comédie musicale des Misérables est très éloignée du texte initial, mais cela vous permettra de connaître l'histoire à grands traits. J'ajoute encore à cette sélection la première grande romancière française, Madame de Lafayette, sur laquelle des générations de lycéens ont travaillé. Sans craindre le grand écart, je dois mentionner la sublime fresque américaine « Les raisins de la colère » de Steinbeck. Mais passons à des textes plus courts, dont voici quelques titres. « Un cœur simple » de Flaubert, magnifique texte très resserré mais d'une grande efficacité. Des nouvelles de Maupassant, bien sûr, réaliste pourquoi pas, mais je conseille plutôt le Orla, œuvre fantastique par excellence. Je me permets de citer à nouveau Steinbeck, Des souriers, des hommes, qui est à la fois très facile à lire et très puissant, comme L'étranger de Camus que vous devez avoir lu. Si vous aimez surtout les histoires d'amour, je propose encore Adolphe, de Benjamin Constant, et Le diable au corps, de Radiguet. Si vous voulez lire de la poésie qui ne se lit pas in extenso, mais au gré des envies et des pages tournées, feuilletez les recueils des deux grands poètes de la Pléiade au XVIe siècle, Les Amours de Ronsard et Les Regrets de Du Bellay. Mignonne, Allons voir si la rose et Heureux qui comme Ulysse sont deux chefs-d'œuvre à connaître. Plongez-vous aussi dans les fables de La Fontaine, c'est une œuvre absolument incontournable qu'il est bon de retrouver une fois adulte. Bien sûr, Les Fleurs du Mal de Baudelaire font partie de ma bibliothèque idéale, ainsi que toute la poésie de Verlaine et le recueil de Rimbaud intitulé Poésie, plus facile à aborder qu'Une saison en enfer ou Les Illuminations. Mais j'en viens au théâtre avec les plus grandes pièces du XVIIe siècle. Je sélectionne facilement Phèdre dans le théâtre de Racine, Le Cid chez Corneille. Quant à Molière, le choix est plus difficile. Le Misanthrope, L'École des femmes, Le Malade imaginaire, L'Avare ou Don Juan, je ne sais que sélectionner. Pour cette dernière, autre choix possible, regardez l'opéra de Mozart Don Giovanni ou bien Le Mariage de Figaro qui reprend la célèbre pièce de Beaumarchais. Je vous conseille aussi de lire ou de voir au théâtre Cyrano de Bergerac, sinon regardez son adaptation au cinéma avec Depardieu, elle est très réussie. Je vous conseille également L'Antigone d'Anouilh, L'héroïne qui dit non. Vous pouvez aussi assister à une représentation du théâtre que l'on a nommé après coup l'Absurde, qui rassemble les pièces d'Ionesco et de Beckett, mention spéciale pour En attendant Godot. Puisque les récits de soi ont pris une place de plus en plus grande au fil des siècles, j'ose vous proposer de regarder ma vidéo sur l'autobiographie et de lire, au moins par extrait, le premier texte du genre, Les Confessions de Rousseau. Témoignage poignant de la Seconde Guerre mondiale, je recommande à tous de lire le journal d'Anne Frank. Cela peut être dans sa version illustrée par Folman et Polonsky. Vous y lirez de larges extraits du journal original et leur travail reflète bien les questionnements et l'humour de la jeune fille de 13 ans. Je recommande aussi le livre de ma mère, qui est un très beau chant d'amour offert par Albert Cohen à sa maman. Avec son écriture blanche très caractéristique, Annie Ernaux a elle aussi consacré toute son œuvre à tenter de saisir sa vie et celle de sa famille. Complétez cela en bande dessinée avec Persépolis et L'Arabe du futur, qui sont de belles réussites et racontent une enfance mouvementée. En matière de littérature d'idées, comme la nomment les programmes, si vous vous destinez à l'enseignement, lisez le chapitre des essais que Montaigne consacre à l'instruction des enfants. Je vous propose aussi de lire Candide de Voltaire, plus facile à lire que son traité intéressant sur la tolérance. Ayez en tête le J'accuse de Zola. Connaissez le grand texte de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Sa lecture est assez brève mais pas évidente. Vous pouvez aussi en lire quelques extraits pour comprendre sa thèse
essentiel. Cela vous permettra de comprendre pourquoi il y a si peu de femmes, hélas, dans cette sélection. Si c'est un homme de Primo Levi est aussi un texte fondamental, n'hésitez pas à le commencer car cela est valable pour tous les livres. Il n'est pas absolument nécessaire de lire un livre jusqu'au bout pour avoir le sentiment de l'avoir lu. Il suffit parfois de faire un bon bout de chemin avec lui. Avant de terminer avec quelques films incontournables, permettez-moi un petit fourre-tout dans lequel je voudrais mettre plusieurs auteurs favoris. Tout d'abord, mon auteur adoré, Jules Renard, avec ses histoires naturelles, merveilleusement écrites et drôles et faciles à aborder avec des enfants. J'adore l'écriture de Jean Echenoz et celle de Laurent Godet, dont j'ai particulièrement aimé le roman intitulé « Ouragan », par lequel vous pouvez commencer. Et puis, last but not least, je ne saurais trop vous conseiller de lire Proust, le romancier qui vous rend plus intelligent, qui vous fait voir la vie différemment, mais petit conseil, commencez la recherche par Un amour de Swann plutôt que de buter sur Combray, beaucoup moins facile à appréhender. Voici maintenant le temps de conclure cette bibliothèque idéale par une sélection de films. Et oui, sachez qu'à l'agrégation de lettres modernes, il y a chaque année un film au milieu des œuvres littéraires proposées. D'abord, les 400 coups de Truffaut, dont j'ai parlé mille fois, qui parlent si bien de l'enfance et du monde des adultes ici défaillants. Deux chefs-d'œuvre de Chaplin doivent également faire partie de votre culture générale, Les temps modernes et Le dictateur, vraiment magistraux. J'ajouterai les films musicaux de Jacques Demy, que je trouve géniaux. Et pour finir, parce que ce film-là parle si bien de l'enfance, de l'étranger, de la peur de l'abandon, et parce que c'est un film américain, je vous conseille de revoir le E.T. de Spielberg, c'est vraiment un must. Je finis avec cet anglicisme provocateur en rappelant qu'on peut tout à fait aborder la grande chanson française dans un devoir du CRPE. Nougaro était au programme en 2021, donc écoutez du Brassens, du Brel, du Ferrat, du Ferré, du Barbara pour travailler. Dans vos références, attention seulement aux œuvres trop méconnues ou un peu méprisées qui perturberont sans doute le correcteur. Si vous trouvez qu'il faut encore ajouter à cette liste un classique que j'ai oublié, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire, sans oublier le pouce en l'air si la vidéo vous a aidé. Je vous souhaite à toutes et tous de belles lectures et je vous dis à très bientôt.